Attends. T'es sûr que tu veux pas venir? Allez, vas-y. Il t'attend. On a fouillé? Je t'ai vu. Ouais, ça va, il manque quelques munitions quand même. Ok, on y va. Allez. C'est lequel on connaît? Ah, c'est lui. Alors, avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi? Pas grand chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Okay. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Il pense même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant. Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrues qui... Si tu penses que t'es prête, je te fais confiance. Ok. Merci. Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Dis-moi, tu te rappelles les comics Savage Starlight, que t'aimes bien? Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros, quand on est allé dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu? Tu sais, en fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniela Starr... C'est une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font pour s'échapper. T'es trop marrant. Le magasin de musique est par là. Je vais leur laisser des trucs. Ouais, ça me va. Eh, paillette, pas de bêtises, hein. Paillette. C'est pas un nom pour un chat, ça. Voilà le magasin de musique. Ouais, Music je le Center. Vois. Ok, bah c'est parti, hein. Tu veux que je t'aide? Ça va aller. Ah non, c'est bon, je suis pas un diamant non plus. À mon avis, on peut pas passer par là. C'est clair. Quoi? Il ouvre, ouais. Il bon sang. Avant, on pouvait traverser à la nage. Bon, on fait quoi alors? Si t'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. Bah oui. Par contre, on part où? C'est pareil. C'est pas que je veux pas, hein, mais... Peut-être par la porte, ça. Fais chier. Pardon? J'ai peut-être quelque chose. Tu crois que tu peux passer? On peut essayer. Fais attention. D'accord. J'y suis! Attends deux secondes! D'accord. Ok. Je vais ouvrir la porte parce que s'il se passe quelque chose, j'ai pas envie d'être tout seul. Salut. Salut. Impressionné? Non, t'es trop maigre. Faut manger, tu sais. De rien. Ok. Putain, j'aime pas quand il me fait passer en premier à chaque fois là. Ça, en général, ça veut dire qu'il y a un truc qui va se passer. C'est flippant comme endroit. J'ai trouvé un passage, mais il y a des spores. Mets ton masque. Non, je suis obligé. Il n'y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre? D'accord. Si t'arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je baisse jamais ma garde. Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère. Pas à Jesse ou Dina. Bien sûr que non. Ok, tant mieux.
problème c'est qu'on n'a pas la Dina. T'étais déjà venu ici? Non, on a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Peut-être. Ça c'est bon. Non, parce que j'aurais bien voulu savoir ce qu'il y avait là. Mission. Non mais des fois j'ai l'impression qu'il y a un truc qui brille alors que qu'au final c'est juste le reflet de lumière que du coup on retourne là. J'ai pas eu ça. Une barre de fer. Ah, une note. Ruby, je suis désolé si notre groupe vous a submergé hier. C'est bien. Ok, il n'y a rien ici. Il est mort depuis un moment, on dirait. La dernière patrouille est passée il y a combien de temps? Je sais pas trop. Ils venaient de chez nous? Non. Il nous manque personne à Jackson, à part les ados qui ont disparu l'année dernière. Ah, lui, il est pas vieux. Il devait être vraiment en otage. Ok. Du coup, je viens de là. Ah, du coup, je sais pas où faut aller, en fait. Par là. Ah bon, tranquille, parce que je le voyais pas dans le... Dans le dans... Non. Allez, viens là. Attends. On est en patrouille, non? Ok. On s'en occupe. Ou merde. Ok, je m'en occupe parce que je vois que tu commences à être un peu putain. Tu commences à être un peu vieux, putain, ça va dire par ici. Arrête de dire tout le temps par ici. J'ai même pas le droit de prier deux secondes. Je me casse. J'ai loupé, j'ai mort, j'ai loupé. Merci. Sur ta droite. Je l'ai vu, t'inquiète. Hein. C'est bon. Ah,
T'es calme, hein. Allez, je vais voir celui-là. La suite arrive. Ok. Prends ça. Donne la batte. Voilà. Joël, je crois que c'est fini. C'est pas bien, Joël. Bien. T'as assuré, Ali. Je sais. Et si on mettait cette histoire de corde un autre jour? Ouais, je pense que ça vaut mieux. Par contre, pour sortir d'ici, il va falloir qu'on compte. Quoi? Il a pas fini sa phrase. Ouais, ça se présente pas mal par ici. Je te suis. Si lui passe, je passe. Hein. Il est un peu plus dodu quand même. Je sais pas pourquoi, je sens que je le sens mal là. Oh, le regard qu'elle a fait à la caméra. T'as pas vu que je me casse la gueule? Oh merde! On a failli y rester. Je m'étonne. C'est vrai. Mais on l'a eu, l'enfoiré. Ouais, on l'a eu. Ça va? Faire un coup de mon temps pour ce genre. À part la vieillesse, tu veux dire? Non, rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil. Vivement qu'on se tire d'ici. Faites encore plus gros la prochaine fois, on sait jamais. Qu'est-ce que tu fais? Et si jamais il y a deux colosses derrière? Ça va aller. Y a pas de sport. On l'a bien défoncé, hein. C'est rare de tomber sur un colosse dans le coin. Ouais. Jessie et Dina vont péter un câble quand je vais leur raconter ça. Il se passe quoi entre ces deux-là ?
Ils sont ensemble, non? Ah, plus ou moins. Pourquoi? C'est juste la façon dont Jesse parle de toi. Non, Jesse et moi, on est amis, c'est tout. Oh, allez, je suis plutôt doué pour remarquer ce genre de choses. Peut-être, mais là, tu te trompes. Ben, on verra bien. Ouais, ben, n'espère pas trop. Ouais, il s'est plutôt trompé, hein. Enfin bon. Oh, 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 oh. Ok, y'a rien. De toute façon, en général, dans les shots, y'a jamais rien, donc... glisser là-dedans. Pourquoi moi? Tu vois ce qui bloque? Ouais. C'est bon. Joël. Je crois que c'est eux. Le couple qui s'est enfui l'année dernière. Je crois que t'as raison. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent partout ailleurs. On voulait sauver des vies, faire quelque chose de bien. Juste après notre départ, on est tombé sur une horde. On s'est fait mordre. On a décidé d'en finir plutôt que de devenir des monstres. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Adam et Sydney. Je l'ai tué. Mais je suis incapable d'en finir, je suis qu'un lâche. Adam. Bon sang. Ils étaient pas immunisés. Ouais, il faut... Faut aller chercher Tommy et on rapportera leur corps à Jackson. Hein? Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles... Tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi? Peut-être qu'il le cache. Comme toi. Tu crois vraiment? Tu crois que c'est le moment de discuter de ça? On a voyagé à travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais 1 million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille? Parce que je les ai laissés faire leur test. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune solution. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Il
Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non. Bien. On y va. Il est dans les vapes. Hey, je vais le faire. C'est un mec bien. Pourquoi tu lui as pas dit? C'était pas le moment. Et ça alors? Ça donne quelque chose? Ouais, plutôt. Abby? Non. Cette fille, Nora. Son unité a été envoyée dans un hôpital. J'imagine qu'il récupérait du matériel. Cet hôpital? Ouais. Quoi, t'y vas maintenant? Ouais, c'est notre seule piste. Mais tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non? Elle sera peut-être partie d'ici là. Ellie... On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy le sait aussi. Quoi? Non, rien. Ok. Tu veux bien venir m'aider avec la porte? Bon, en suivant la route 5, je devrais arriver jusqu'à l'hôpital. Ok. Faut suivre la route 5. Ouais. Je retrouve Nora. Ok, c'est tout. Je l'oblige à me dire où trouver Abby. Facile. En vrai, c'est trop triste parce que tu sais que le mec qui joue alimentaire, tu sais. Parce que s'il est laissé. S'il est laissé la finesse de la fin, en fait, elle mourrait Ellie, donc je ne voulais pas quoi. Puis je me demande si Jessie là, il va pas se transformer là. Faut que je passe. Je sais pas, je sens qu'il va se transformer ce con. Comment je fais pour passer? Je voulais récupérer ce qui était là-haut. C'est compliqué leur truc là. Ah, je sais pas, tant pis. Genre je peux pas monter? Non. Ah. Ça je prends. Ah c'est bien parce que là on refait le plein.
Je vais faire deux cocktails. Merde. Vas-y, recharge. Ok. C'est bien. Oh. Là, y a rien. C'est un pont. Cool. Je me demande combien il y a de wolves dans cet hôpital. Beaucoup trop pour nous, je pense. Cool. Je me rapproche. Y a pas quelqu'un qui sait comment on fait pour allumer les lampes torches. Le... pour voir la map. Je sais toujours pas comment on fait pour l'ouvrir. J'ai essayé toutes les couches. Aucune ne fonctionne. Merde. C'est des zombies, j'entends. Ah oui, putain, hey, hey. Pas sûr qu'il y ait une carte. Bah si, non, bah oui, il y a une carte. Le problème, c'est que je sais plus comment on fait pour le voir. Mais si, parce que quand j'avais fait mon live avant, je pouvais l'ouvrir et là, je sais plus comment c'est qu'elle touche. Après peut-être que là, oui, vu que c'est en ligne droite, on peut peut-être pas l'ouvrir, mais... Putain, c'était un claqueur, t'as fait gaffe. J'ai plus de balles. J'arrête pas que ça tombe de merde, là. Ça dégage. Je peux toujours pas récupérer ma flèche. Sympa. Est-ce que j'ai de quoi me refaire les sommets, Jugo? ACS, bon épisode à toi, bonne journée. Ah, pas de soucis. Bonne nuit, mon. Bonne nuit. De toute façon, je vais pas tarder non plus. Hein. Merci d'être passé en tout cas. J'espère que ça t'aura plu. Tac, tac, tac. C'est bon. Hop, petit médoc. Ce qu'il me faudrait, ah, c'est celui-là. 40 points. Il m'en manque 13. Ça c'est blindé. Attends, mais c'est comment grand le resto là? C'est plaisir. Ouais, j'ai apprécié ton live. Ah, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Bon. Et du coup, j'ai fait tout le resto. Là-bas, il y a une pièce. De toute façon, au pire, là, je refais une rediff aussi du 2 sur YouTube, donc si tu veux tout mater, n'hésite pas.
sais pas si ça met nous ça. Ok. Au début j'ai cru que c'était un piège. Ouais. C'est peut-être pour mettre là. Hein. C'est pas du tout. Ah mais. Ah, c'est peut-être pour m'aider à remonter du coup. Ouais, va le lire de toute façon. Je me demande si c'est pas moyen de capter la fenêtre en fait. Attends. Attends, ce que j'essaie de faire là, c'est commencer à être rock'n'roll. Parce que je voulais le passer par là. Je te fais ça à l'américaine, moi. C'est pas forcément ce que je veux là. Attends. Elle fait un effort aussi. Hein. Je pense que je dirais mieux si je descends en fait. Okay. Ou pas. Mais non. Allez, fais un effort, Ellie, là. Elle veut pas. Hein. Au pire, je peux pas faire comme ça, attends. Je vais y arriver. Hein. Fait là. De toute façon c'était quoi bah tiens, mais il y a quelque chose de toute façon ils ont pas mis ça comme ça pour faire joli. Merci. Comment t'es-tu? Ouais. Je te jure si ça casse parce que je saute dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, je vais ouvrir le loquet. Voilà.
si je me suis fait chier juste pour ça, c'est chaud. Non, c'est bon. Il faut du scotch. Simon, j'espère que tu n'iras jamais cette lettre. Que je pourrai la mettre en boule et la brûler quand tu reviendras. Je suis désolé d'être tombé malade. Ok. Merde. Carte. Bah du coup là j'en ai plus besoin. Je vais juste le mettre là. Le restaurant on a fait. Pas folle la guêpe. Ok. Pas un petit truc de caché ici? Non, ok, très bien. Je vais aller voir ce qui se cache dans le camion. Il me faut pour le silencieux. Vas-y, je trouve un petit silencieux. Tac. Ça tombe pas. Oh, ça pue. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Ah mais je sens que ça, ça sent le zombie là, hein, c'est sûr. Ça remonte au cas où, hein, mais... pas sûr, hein. Un scotch. Voilà, c'est l'ascenseur, on s'en fout un peu. On peut peut-être pas tout fouiller non plus. Hein.